Eh ben, je m'en souviendrai de ce mob, hein. Pas de vie, on y est presque, j'ai plus de mana. Délivrance enfin. Un 600 KI disparaît. Pitié, j'ai pas pu l'achever. Ah, je suis dégoûté! Tout ça pour rien! Même pas un gramme d'XP! À l'aide! J'ai même pas touché un gramme d'XP! Votre forge brûle d'un feu ardent. J'ai même pas gagné un gramme d'XP! Oh! Mais j'ai perdu 47 minutes pour rien! Au secours! Aïe 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 aïe! Oh merde! Oh merde! Oh! Oh, le combat a duré trop longtemps et le mob il a des spawns. Ah! Je suis deg. Ça c'est pas censé arriver ça. Hein. Quand un mob prend des dégâts, il est pas censé des spawns. Je vous écoute. Ah, c'était long et ça servait à rien! Mais c'était beau! C'était beau quand même! J'ai dérouillé combien? Il avait 2 100 000. Il est tombé à 600k, il a despawn à 600k. Ah la vache! Bah c'est pas compliqué, je lui ai dérouillé 1,5 million de points de vie.
1 500 000 points de vie, je l'ai dérouillé. Ça a été long, hein. Mais Asianatos demeure invaincu comme il se doit. Mais ta gueule! Mais ta gueule! Mais va bien niquer ta mère! C'est ça, en fait, le truc! C'est scripté! Quand il atteint 25% de sa vie, en fait, il disparaît pour ne pas être vaincu. Ah la vache! Ah mais. Ah les salauds! Ah les salauds! Et pourtant, vous avez dépassé toutes mes attentes, votre force Ellie et éclipse celle de bien nombre de vos prédécesseurs. Vous êtes ici pour une bonne raison. Et Cléa vous a tracé une voie qu'elle vous juge capable d'emprunter. Je partage son avis. J'ai donc décidé de vous permettre d'accéder au dernier rite du creuset. Suivez le chemin du sud-est jusqu'à l'entrée de la chambre de la première réflexion. Cléa vous expliquera ce qu'elle attend de vous. Allez et servez un défilé normand. Voilà Cléa dans la chambre de la première réflexion. Bordel, alors je vous jure. Je vous retrouverai là-bas. Et fier. Attention, ce ne sera pas facile. On va atteindre le niveau max. Je vais revenir équipé. Et je te dérouille la gueule. Oh putain. Oh je vous jure. Ah je reviendrai. Je reviendrai juste pour lui dérouiller la gueule. Ah la vache! Ah là là! Ah ça m'a saoulé! Ah je peux pas utiliser mon monture parce qu'il me considère encore en combat. Ah la vache. Je sers le bastion. Mais aussi toute l'ombre terre. Cette situation vous semblera peut-être familière. Pélagos accomplissait un rite similaire lorsque vous l'avez rencontré. Comme vous avez pu le voir, il arrive hélas qu'il bascule dans la violence. C'est la première fois qu'on vous demandera de déposer les fardeaux de votre existence passée. Pour bien des candidats, cela peut s'avérer très douloureux. En ce qui vous concerne, c'est la voie qu'il vous faut suivre. Pour arriver à vos fins, pour gagner le droit de nous rejoindre, d'être étendu, afin que nous puissions porter votre message à l'Archonte en personne. Concentrez-vous, pardon. Nous commencerons quand vous êtes prêts. Accomplissez le premier. J'ai prévu de quoi vous aider à vous préparer dans la salle voisine. Celle de gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Mais mon stuff! C'est qu'une apparence. Mais ça me saoule.
suis pas content. C'est baigné dans le bassin. Ah, là, d'accord, excusez-moi, je l'avais pas vu. Ah, ok, excusez-moi. Hop. Je vais vous montrer le chemin. Gardez l'esprit serein. En quoi puis-je vous servir? Puis-je dans la salle en dessous, vous allez affronter et dompter vos souvenirs les plus profondément enfouis. Rares sont les aspirants qui arrivent si vite à cette épreuve. Réussissez, et vous aurez fait vos preuves aux yeux des transcendés. Jusqu'à présent, moi, les transcendés, je dis que c'est des petites bites, hein. Parce que fuir le combat et s'estimer invaincu, c'est pas très très... Hein, pas très glorieux, on va dire. Bon. Attendez, contempler le miroir des âmes. Hein. Ok. Admettons, on va s'approcher de celui-là. Vous devez creuser plus profondément. Réessayez. Il reste en vous des pensées et souvenirs dont vous devez vous affranchir. Ouvrez grand votre fort intérieur. Je les verrouille un peu vite, mais ouais, c'est ça, il a mon apparence. Pourquoi j'ai deux reflets? Ça rapporte de l'XP. Là, c'est le cap difficile qu'il vous faut franchir. Ce truc a 18 000 points de vie, là. Ouais, si tu veux. En tout cas, j'ai mes ventes qui partent, hein. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est que je vois dans le chat que j'ai mes ventes qui sont en train d'être faites. Donc la moula arrive. Reposez-vous à présent. C'est terminé. Mais laisse-moi looter! Laisse-moi looter, par pitié! Il y a zéro loot! Putain, d'accord, je reviens ici, du coup. Ok, donc en gros, j'ai fait un mauvais bad trip, quoi.
La pénurie ne s'atténue pas. Il faut trouver une solution. Ça vaut rien, tes trucs. Nous allons relever le défi, quel qu'il soit. Votre purification est achevée et vous êtes désormais entier. Notre plan a fonctionné, à accomplir un tel rite si peu de temps après votre arrivée à raviver l'attention de Kalisten. Profitons-en pour demander une audience auprès de l'Archonte. Présentez-vous à elle et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Peu importe ce qui arrivera désormais, vous avez fait tout ce qu'un aspirant est en droit d'espérer. Toujours mieux vaut ne pas faire attendre Kalisten. Ah, par contre, vous êtes bien gentil, mais hop, voilà, hein. J'ai retrouvé mon apparence quand même. Faut pas déconner. Comment je l'atteins par là, je suppose. Pas par là. Ah. L'Archonte, je présume. Que voulez-vous ? Oh mais non ! Le truc qui plante. Oui, mortel. Le regard vous avait porté de terribles informations que j'ai transmises à l'Archonte. Elle vous en remercie. En gage de sa gratitude, elle voudrait vous offrir quelque chose. L'acceptez-vous ? Parlez donc, allez. Allez, et seul. J'ai envie de dire oui, j'accepte. Ah. Oulalalala, oulalalala, oh je connais ce genre de truc. Ok, c'est pas ce à quoi je pensais, mais ok. Oui, mortel. Allez, et servez, aspirant. Les yeux de l'Archonte soient sur vous. Ah. Le sort du bastion est entre nos mains. Vous conviendrez comme moi qu'une telle réponse est quelque peu décevante. J'estime que nous avons tout à fait fait tout notre possible, j'imagine, ce qui nous attend désormais, mais la situation se décompète d'elle-même. En attendant, Pélagos et moi allons retourner au repos de l'aspirant pour reprendre des forces. Nous nous retrouverons là-bas, mais inutile de vous presser. Retournez au repos de l'aspirant. Très bien. Des Kyriens au service de l'antre ? Et l'Archonte n'a rien dit à ce sujet ? Peut-être qu'elle n'y croit pas vraiment. Pour l'instant, ce n'est qu'une parole isolée, après tout. Même si on pourrait se dire que ça suffirait. Un fly ? Non ? Pas moyen pour un fly là ? Apparemment, je peux pas m'approcher plus. Non, c'est juste que c'est un peu glitché. Ah, c'est les symboles là.
Ok, je peux pas marcher sur ces symboles là. Bon, ok. Why not? Non, mais sans déconner, par contre, un fly là, j'aurais pas dit non. Bon. Bah, on va se taper 800 mètres. Ou pas, parce que de toute façon, on arrive en fin de. On arrive à la fin de cette session de tournage. Ouais. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? C'est où? Je le vois sur la carte, c'est où? C'est là. C'est ça? C'est ça? De quoi ça fait-il? Breuvage purificateur. Purifie une cible alliée en supprimant tous les effets de potions, de magie, de maléfice, de. Ok, d'accord. Ok. Je l'ai vu sur la mini-carte, donc je suis ok, let's go. Ouais. C'est quoi le mieux? En vrai, je les ai mises, mais sont pas mieux que celles que j'avais avant. Hein. Parce que là, j'augmente mon score critique, quoi. C'est surtout ça. Ouais, non, je vois. Voilà. Bref, du coup, ouais. Bon, bah, c'est parti. Hein. C'est parti. Non, ça va, c'était pas si loin que ça. Nous ferons tout pour vous aider. La pénurie ne s'atténue pas. Il faut trouver une solution. Et bon, on s'arrête là. Et je prendrai cette quête lors de notre prochaine session de tournage. En attendant, je vais certainement farmer ici. Farmer les mobs pour XP un petit peu. Pour pex un petit peu, jusqu'au niveau peut-être 55, si j'ai le courage. On verra ça à la prochaine session de tournage. Sur ce, je vous dis à bientôt. Oh, attendez, il y a juste un truc qu'on va tester rapidement. Ouais, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. Je dois d'abord choisir une cible. Et puis on va vendre aussi un petit peu le. C'est de l'argent. Ouais, 40 PO. Plaisir d'avoir pu vous aider. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bien, nous retrouvons. Alors, attendez, parce que j'ai lancé l'enregistrement, mais j'aimerais... Je prends un coup avant. Hop. Comment dire? Il s'est passé deux, trois trucs. Depuis hier soir, il s'est passé 2-3 trucs. Donc oui, hein, pendant la coupure que vous venez d'avoir, moi, il vient de se passer juste une nuit, une matinée, quoi. Donc j'ai joué hier soir.
Et disons que j'ai fait un petit bénéfice. J'ai quasiment fait 30K de bénéfice. Ce qui est correct. En une soirée, c'est plus que correct. Par contre, juste au moment où je lance l'enregistrement, eh ben, j'ai la plupart de mes enchères qui ont pris fin, évidemment, vu que c'est que 48 heures. Donc, je suis en train de tout reprendre dans ma boîte aux lettres et je referai le point après cette session de tournage. Voilà, j'ai mon petit gif qui est en train d'arriver, certainement mes 56 néants qui vont arriver dans quelques secondes. Bref, ma boîte aux lettres va être bien surchargée. Donc, ne faites pas attention au chat à droite. Vu que voilà, c'est juste mes retours de vente, mes invendus qui sont en train de revenir. Voilà, puis c'est tout quoi. C'est comme ça. Quelque chose vous perturbe ? Nous allons continuer notre histoire. En tout cas, je suis bien content que le business de marche bien. Parce que voilà quoi, on a commencé avec 10 000 PO, on est déjà à 40 000. Ça fait. J'ai relancé au début de semaine et j'ai pas eu le temps de jouer dans la semaine. Donc on a fait x4 en une semaine. Et pas avec. En ayant un boulot à côté, je veux dire. Donc c'est correct. Bonjour, je suis Cosma, disciple du temple de la pureté. Oula, tu vas me plaire, toi. Le temple est un lieu de purification. Sa seule finalité est de libérer les aspirants du poids de leur vie passée. C'est un endroit calme, propice à l'introspection, même pour ceux qui ont su se délester de leur fardeau. Hélas, ceux qui viennent à nous dans l'espoir d'être purifiés se font chaque jour plus nombreux. Mes condisciples ne savent plus où donner de la tête. J'en suis même venu à demander l'aide de tous les aspirants saints d'esprit. Nous avons besoin de vous. Présentez-vous immédiatement à la main de pureté. J'en baille déjà. Méfiez-vous des doutes qui vous assaillent. Il y a un problème. Ça n'a pas pu empirer depuis ma dernière visite. Ah oui, autre chose qui a changé aussi. J'ai découvert tout le bastion et j'ai obtenu le haut fait d'exploration du bastion. Voilà, voilà parce que ça rapportait de l'XP. Et oui, en effet, je suis passé du niveau 52 au niveau 54 hier soir. Et je me suis donc après l'exploration, j'ai farmé des mobs et je me suis arrêté quand je suis passé en état fatigué. Et je me suis déconnecté dans une capitale, histoire de pouvoir repartir aujourd'hui frais et dispo, en état non fatigué. Confiez-moi vos fardeaux. Voilà, votre visage m'est inconnu. Alors, voilà, Erida vous regarde de haut, votre visage m'est inconnu, elle fronce ses sourcils. Je regrette d'avoir à vous accueillir dans notre temple en pareilles circonstances. Comme mon disciple vous l'a expliqué, nous mobilisons tous les aspirants d'ici disponibles pour... pour nous occuper des âmes dont nous avons la charge. N'ayez nulle inquiétude, nos disciples vous expliqueront ce que nous attendons de vous. Allez les trouver à l'intérieur, je vous renverrai dans le temple quand vous leur aurez apporté votre aide. Aidez les disciples du temple de la pureté. Notre Cléa, allez aider le parangon. Pélagos, vous et votre ami, devrez aider les disciples. Allez et servez. Oui, votre transcendance. Que je dois faire. Ah, ok. Vos exploits vous précèdent. Mmh.
Ah, mais j'ai encore pas de loot. Ouais, c'est ça. Eh, salut. Ça s'est plutôt bien passé. Mieux que ma dernière purification, en tout cas. Dévoilez-moi votre âme. Ah zut, j'aurais dû profiter d'une capitale pour réactiver mes mes sorts de guerre. J'ai pas fait. Alors que ça me serait super utile. Après bon, je croise des mecs de l'Alliance, donc autant qu'ils m'emmerdent pas en vidéo quoi. Attendez, il s'est passé quelque chose d'intéressant là. Nous sommes tous condamnés à échouer un jour ou l'autre. Vous ne pouvez pas dire une telle chose à Colitch. Courage. Bien des âmes ont chancelé ces derniers temps. Le temple de la loyauté fait l'impossible pour les ramener sur la voie. Ouais. Vous savez ce que j'en pense, hein, tout ça, hein. Vos exploits vous précèdent. Des taurennes ? Et dévoilez-moi votre âme. Salutations, voyageurs.
Eh, déjà, on touche les limites de quelque chose qui me plaît pas. C'est qu'en fait, on est. Il forme. C'est une sorte de formatage de l'esprit, quoi. C'est. Je me souviens de ma famille. Elle aurait du mal à me reconnaître aujourd'hui. Puisse mon oubli se passer différemment. Quel est votre tracas? Ah, 7000 XP quand même. Ah, j'ai raté la quête. Je suis tout oui. Allez et servez. Ah non, je l'ai dit. Bah alors? Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de nouvelle quête. J'ai pas de nouvelle quête. Du coup, est-ce que je reviens au bastion? Là-bas. Le parangon est là, de l'autre côté du temple, où tant d'âmes attendent leur tour. Ah, vous avez répondu à l'appel, parfait. Comme vous pouvez le constater, les autres disciples et moi-même ne savons plus où donner de la tête, sans compter que certains aspirants sont dans une situation plus critique que d'autres. C'est lorsqu'ils sont à l'orée d'une révélation que les aspirants courent les plus grands dangers. Nous ne pouvons les laisser seuls en ce moment décisif. Il va vous falloir les encourager d'une façon ou d'une autre. Allez à la rencontre des plus vulnérables de vos pairs et faites de votre mieux pour les aider à trouver leur voie. Inspirez 11 aspirants vulnérables. Si les aspirants auraient bien besoin d'être encouragés. Laissez-moi vous aider. À plus. N'y a-t-il aucun espoir? Je dois réfléchir. Je ne sais pas quoi faire. Ça c'est chiant ça. C'est quoi ce truc encore? Lâchez prise. Quoi, qu'est-ce que... Bon. Je ne veux pas lâcher prise. Je ne sais pas quoi faire. Putain, ce bug me casse les
Je veux juste me souvenir. Je vous jure, ce bug du message qui se ferme, perdu. Ça a toujours été dans World of Warcraft, c'est pas normal. Ça me casse les burnes. Ce n'est pas normal. Ne pas oublier. Je doute. Pourquoi dois-je faire ça? Sommes-nous tous perdus? Non, ne partez pas. D'accord. Okay. Je voulais voir ce que ça faisait si je donnais une mauvaise réponse. Bon, ok, dans tous les cas, d'accord. Donc, en plus, pile tu gagnes, face tu perds. Bon. Enfin. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux juste me souvenir. N'y a-t-il aucun espoir? Je suis si seul. Hein? C'était pas la bonne réponse? N'y a-t-il aucun espoir? Non, ne partez pas. Y a-t-il des nouvelles intéressantes? S'il vous plaît, aidez-moi. Ah, ok, je peux pas, je sais pas pourquoi. Oublier. Je sais pas pourquoi, je peux pas cliquer. Tous perdus. Ah, me saoule ce truc! Ne partez pas. Je vous jure, ça me saoule cette fenêtre qui se ferme toute seule. Ce n'est pas normal. Je doute. Ce chemin, nous l'arpentons ensemble. Alors, tant pis. S'il vous plaît, aidez-moi. Je dois réfléchir. Bon, est-ce que elle, ça marche? Ce n'est pas normal. Bon, elle, ça marche pas. Pourquoi dois-je faire ça? Elle est buggée. Je doute. Pourquoi dois-je faire ça? Je ne sais pas quoi faire. Je suis si seul. Bon, c'était le dernier. C'est bon. Confiez-moi vos fardeaux. Non, je les garde. Alors, j'aimerais profiter de votre présence ici et du fait que vous semblez épargné par cette vague de doutes
Pour vous confier une autre tâche, j'ai envoyé l'un de mes disciples confirmer les rapports signalant l'abandon de notre temple par les déchus. Si tel est effectivement le cas, ils doivent être conduits au temple de la loyauté pour leur propre sécurité. Le disciple Nicolone tarde cependant à revenir pour peu qu'il soit toujours dans les environs. Vous devriez le trouver non loin des limites de notre temple au nord. Pourriez-vous vous assurer qu'il est indemne et ne court aucun danger? Retrouver le disciple Mykonos. Et qu'est-ce que je récupère? De la merde. D'accord. Allez trouver Nicolon et assurez-vous qu'il va bien, je vous prie. S'attarder ainsi ne lui ressemble guère. Je vais monter. Perdu. À vous de choisir. Vous savez où nous trouver. Uther ? Qu'est-ce qu'il foutait là ? C'était le... Oh, bordel, d'accord, ok. Ah, putain, d'accord, je crois pas compris. Alors, oui, je voulais juste vous parler d'un truc sur mon personnage. Moi, dans le lore que je veux instaurer, dans le RP que je veux instaurer, c'est... pour le moment, je suis les quêtes, je suis ce qu'on me dit, mais j'ai un agenda caché, hein. MDG Normand a un agenda caché, c'est de rejoindre Sylvanas. C'est son agenda secret. Donc pour le moment, en fait, il fait ce qu'on lui dit, mais dans le but de pouvoir retrouver Sylvanas, en fait. Voilà l'idée. Et si jamais j'ai une opportunité dans le jeu, je l'annonce, hein, si j'ai une opportunité, arrivé un moment, de trahir tout le monde pour me joindre à Sylvanas, je le fais. Ah, j'annonce, je le fais. J'étais plongé dans mes pensées. La voie qui nous attend est longue et tortueuse. Venez, j'aimerais parler à Eridia. Cette scène à laquelle vous avez assisté, je ne suis pas le seul à être mécontent de la situation. Vous n'avez qu'à voir l'état du temple. Regardez les aspirants, leur détresse. Toute cette souffrance, c'est trop. Je... Ah ! Zut. Il est où, mon marcheur ? À mon tour, je dois retourner au temple de la loyauté. Non, ils ont encore besoin de moi. Je dois tenir. Voyez en quoi c'est dogmatique. C'est simple, hein. Le doute est leur ennemi. Alors que non. Le doute, c'est quelque chose de sain. En vrai, enfin... Non. Ah,
sauver. Je le sais. Continuons à avancer. Disciple, qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis tout ouïe. J'ai vu Uther parler au disciple Nicolon. Ah, merde ! Le temps allège tous les fardeaux. Confiez-moi vos fardeaux. Uther, ce nom me dit quelque chose. Ne serait-ce pas l'aspirant que Deva a pris sous son aile comme il sait... Allez et servez. Oh, la crise ! Oh, la crise de nerfs, je vous jure ! Oh, merde ! Bon, allez, hop. Quel est votre tracas ? Bon, tant pis. On ne saura pas ce qui s'est passé. Il y a une certaine Diva... Je suis tout ouïe. Ok. Étrange que vous l'ayez connu. Mettons cela sur le compte. Laisse-moi lire ce texte, putain de jeu! Oh, je vous jure! Ce bug me casse les burnes! Compte qui fait qu'il est originaire de votre monde. Ok, d'accord. Allez, hop. Je suis tout ouïe. Alors, ce disciple est en proie à de violentes émotions. Il est rare qu'un transcendé nécessite une purification aussi rigoureuse, mais je ne peux nier l'évidence. Il rejoindra les déchus si je n'interviens pas. Il n'y a guère de temps à perdre.